Et Céline Dacosta, il n'y a pas que dans les stades que la température est en hausse. Oui, ça grimpe partout, vous avez raison. Elles seront supérieures aux normes de saison, même dans le sud, de 2 à 5 degrés. Excusez-moi, Mathieu vient de se prendre un ballon, voilà une belle tête, pas très bien maîtrisée. Donc, des températures en hausse, 28 à 33 degrés dans le sud, jusqu'à 35-36 en basse vallée du Rhône. Au nord, là aussi, ça va grimper, 21-27 cet après-midi, prévu par Météo France. Ce matin, comme hier, c'est un peu frais, tôt le matin, puis la moyenne sera quand même très douce, 12 à 18 degrés au nord, 19 à 23 déjà près de la Méditerranée. Et du soleil donc pour tous, au moins jusqu'à lundi. Oui, globalement c'est d'ailleurs la plus belle journée de la semaine aujourd'hui, ciel dégagé, généreux soleil qui va s'imposer. Ça va rester sympathique jusqu'à lundi, c'est vrai, même si ça va se gâter un petit peu sur un quart sud-est dès samedi. Si les nuages reviendront également sur les côtes de la Manche dimanche avec un risque d'ondée. Et puis aujourd'hui, dans le détail, quelques nuages bas ce matin sur la pointe du Cotentin, sur les côtes basques et sur la côte d'Azur. Cet après-midi, un peu plus de nuages près des côtes de la Manche. Et puis même scénario entre la Gironde et les Pyrénées avec un risque d'orage sur le relief. Partout ailleurs, vous l'avez compris, c'est grand soleil. Céline Dacosta sur France Info. Merci beaucoup, 7h40.